Salut, c'est Mia Kassissa, bienvenue pour un nouveau tutoriel. Donc, comme tu peux le lire, nous sommes sur IAM Identity Center de AWS et notre but, comme tu peux le lire, c'est de connecter, connect your existing workforce identity source and centrally manage access to AWS. En d'autres termes, il s'agit pour nous de connecter un fournisseur d'identité externe à AWS au lieu de gérer les identités et les utilisateurs totalement en interne dans AWS. Et dans le cadre de ce tutoriel, il s'agit tout simplement d'utiliser Okta comme fournisseur d'identité, comme Identity Provider pour AWS pour implémenter ce qu'on appelle le Single Sign-On ou le mécanisme à authentification unique et centralisé. Je me connecte donc dans IAM Identity Center. Tout de suite, je cherche Settings. Je cherche Identity Source. Je vois que la source actuellement, c'est Identity Center Directory et que c'est géré directement. Donc, le mode de provisionnement, c'est direct. Nous allons créer une nouvelle source externe. Suivant. Et nous allons tout simplement suivre les instructions. À ce stade, tu devrais donc déjà avoir ton compte Okta pour ton organisation. Nous avons le nôtre. Donc, on se rend tout de suite dans Application et on va essayer de rechercher l'application AWS IAM Identity Center. On n'a pas pu la trouver dans le catalogue interne à notre compte. On va partir de Google pour essayer de voir. On va chercher. Prenons le deuxième lien. OK. Et comme on est connecté à notre compte, on va pouvoir faire Add Integration. OK, il nous demande de choisir à quel compte Okta se connecter pour faire cette intégration. On clique donc dessus. Voilà, on a maintenant AWS IAM Identity Center. On le sélectionne, on fait suivant. Google Workspace. Voilà, on va tout sélectionner ici. OK. Voilà, à présent, nous avons notre application. Il suffit de cliquer maintenant sur Done pour valider la création ou l'intégration de AWS à partir de Okta pour le Single Sign-On et pour. Voilà. Donc, lorsqu'on se rend dans l'application, on voit bien que on a une application de en plus, c'est AWS. On clique dessus. On a le dashboard de l'application, donc on voit qu'on peut configurer le single sign-on et c'est ce que nous allons faire. Donc on va éditer ça. On va provisioning, il y a quoi? Ok, ici on va pouvoir configurer l'API aussi pour pouvoir provisionner les utilisateurs. On va le faire tout à l'heure, mais on va commencer par le single sign-on. Ici, c'est quoi? Voilà, donc apparemment, il y a la possibilité d'importer des utilisateurs ou des données, hein, des données à partir de fichiers CSV. OK, on retourne dans Single Sign-On. On va cliquer sur Éditer. Et voilà. On va pouvoir faire le lien avec AWS. On colle ici, on retourne pour copier l'autre valeur, on met là, donc ça c'est pour configurer le SSO, ok, très bien, on va enregistrer, voilà, normalement pour le SSO c'est bon. On est toujours dans la configuration du SSO, il faut faire la configuration dans les deux sens. Donc voilà les valeurs que je sélectionne, ce sont les valeurs que tu copies aux endroits où je les copie. Heureusement, c'est une vidéo, c'est facile pour toi de te retrouver. Je ne suis pas obligé de répéter ce que tu vois à l'écran déjà. Voilà, je télécharge le certificat pour le charger dans mon compte AWS.
Voilà. Je le prends, je l'upload. Voilà, il est bel et bien chargé. Donc à présent, on a validé. Maintenant, il nous demande d'être sûr de ce qu'on fait parce que c'est un changement de taille. Là, par exemple, dans ce cas, il y avait déjà des utilisateurs dans le compte AWS, mais le fait d'avoir changé le provider va faire que ces comptes-là, là dans l'immédiat, si je valide cette action, ces utilisateurs-là ne pourront plus avoir accès au compte, à leur compte AWS. Donc voilà, il y a plein d'autres warnings, plein d'autres avertissements qui te fait ici, là. Donc c'est très important d'en prendre connaissance avant de valider. Dans mon cas, je suis sûr de ce que je fais. Je vais donc tout simplement accepter. Boum! Il nous informe que la configuration a fonctionné. Maintenant, nous avons un fournisseur d'identité externe qui est Okta pour provisionner ce compte AWS. Voilà les informations. On va essayer de parcourir un peu cette page. On va voir ce qu'il nous met maintenant dans Identity Source. Voilà, il dit External Identity Provider. Voilà, il montre le protocole Security Assertion Markup Language, qui est le protocole qui est utilisé pour faire le SSO. Donc, on retourne un peu dans notre compte Okta ici. On actualise. OK. Voilà. Donc, le SAML, justement, pour le SSO est configuré. On voit un petit logo Handshake avec qui passe au vert. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de configurer le provisionnement des utilisateurs. Donc, on va prendre ces informations-là ici. Et on va se rendre dans l'onglet Provisioning. On va l'activer et placer ces clés-là pour justement gérer les utilisateurs sans problème. Les connexions d'utilisateurs, je veux dire. Voilà, c'est assez explicite. Donc, on va faire un test et tester. Voilà, il y a une erreur. Ok, je vais enlever le dernier slash ici. On va retester. Boum, ça fonctionne. C'est parfait. Ok, le provisioning, la configuration du provisioning, elle est bien. Maintenant, on va valider pour enregistrer. Et voilà. Le single sign-on, il est prêt. Donc, Okta provisionne AWS pour les connexions en SSO. On va éditer pour permettre la création d'utilisateur, la mise à jour et la désactivation d'utilisateur. OK. On actualise et on voit maintenant que les deux boutons qui étaient grisés deviennent passent au vert. Donc le provisionnement des utilisateurs est désormais effectif. Donc, on va vérifier ça. Ici, rien à toucher pour le moment. Donc là, ce sont les groupes qui existaient déjà dans AWS. Je ne suis pas mécontent de les retrouver ici. Ça veut dire que les configurations fonctionnent d'une certaine manière, mais on n'en a pas besoin pour le moment. Donc voilà, là nous avons un utilisateur. Donc nous allons lui assigner l'application AWS et voir si cet utilisateur-là va se répercuter au niveau de notre compte Amazon. Pour savoir, il suffit de s'assurer que le protocole qui fournit cet utilisateur, c'est le SCIM. Voilà, comme tu peux le constater, l'utilisateur est bel et bien présent et on note bien le SCIM. Et donc, tout fonctionne jusqu'ici.
Essayons maintenant de nous connecter dans un autre navigateur à partir de cet utilisateur-là pour accéder à AWS. Donc, chaque fois que on a pu faire cela, normalement, l'utilisateur concerné va recevoir un mail, va activer son compte et tout. Donc, tout ça, je l'ai déjà fait et là, j'essaie de me connecter en tant que cet utilisateur-là. Je configure. Et je vais devoir aller sur mon téléphone, mon smartphone, mon iPhone, App Store, chercher Okta Verify, installer. Si tu as Android, tu utilises Android, il n'y a pas de souci. OK, l'application est installée, je l'ouvre. Je fais suivant, suivant, suivant. J'active le Bluetooth. Voilà, je vais scanner le code QR. Bam! Et voilà, l'utilisateur est ajouté, l'authentification est configurée. J'ignore ça pour le moment. Voilà, le compte est ajouté et je devrais maintenant pouvoir me connecter à mon utilisateur qui a les droits d'accès à AWS. Boum, nous voici, l'utilisateur connecté dans son dashboard. Donc, si tu as ceci, ça veut dire que le SSO marche. La connexion entre Okta et AWS fonctionne très très bien. Donc le message que tu as, c'est quoi? You have navigated to AWS Access Portal after your administrator gives you access to applications and AWS accounts. You can find them here. Donc la configuration, elle fonctionne seulement. Il faut les permissions qu'il faut. Donc ça, c'est un problème que je vais résoudre dans la prochaine vidéo. Donc si ça t'intéresse de découvrir, je te suggère déjà de liker la vidéo si elle t'a apporté de la valeur, de laisser un commentaire si tu as quelque chose à dire, de t'abonner, de partager et surtout, encore une fois, abonne-toi si ça t'intéresse de savoir comment j'ai pu régler ce problème-là, qui n'est pas un problème en fait, c'est juste de configurer les bonnes permissions, les permissions pour permettre à ce que l'utilisateur qui se connecte ait accès aux applications.